Hello à toutes et à tous, c'est Benji, on se retrouve les amis aujourd'hui pour l'épisode 21 du Let's Play Les Sims 4. J'espère que vous allez bien, bon en tout cas j'ai la patate, la forme. Comme d'habitude les amis, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille fortement d'aller regarder l'épisode précédent, disponible dans le petit i en haut à droite de l'écran qui vient d'apparaître il y a quelques secondes, bien évidemment. Profitons tous ensemble de l'épisode d'aujourd'hui, il y a encore plein de choses à faire les amis, on essaie de s'en sortir, notre femme... notre femme qui est devenue maintenant notre Sims officielle essaie de s'en sortir. C'est vraiment pas facile les amis de devoir gérer deux bambins à la maison plus deux chiens et un chat. C'est vraiment vraiment pas facile de gérer ça toute seule, mais pourtant elle essaie de faire du mieux qu'elle peut, mais c'est pas facile, voilà, c'est vraiment pas facile. Donc voilà, mais elle essaie bien évidemment, elle essaie de faire du mieux qu'elle peut entre son boulot, etc. C'est vrai que c'est vraiment pas facile. D'ailleurs, il faut qu'elle atteigne une compétence 2 en charisme. Eh ben écoutez, c'est parti. On perd pas de temps. Hein. Si on peut monter au plus haut possible dans notre compétence pour notre job, eh ben écoutez, je meurs de faim. On va manger. Non, parce que la dernière fois que nous sommes partis manger quelques bars avec une amie, ça finit de manière épouvantable. On a un enfant qui est dégueulasse. On va le laver. C'est toujours pas ça. On va lui donner un petit bain. Alors lui, qu'est-ce qui va pas? Lui, c'est la faim. Ok. Et lui, c'est l'hygiène qui va pas non plus. Ok, donc rien ne va chez ces Sims, malheureusement. Écoutez, bah, on va leur donner à manger. C'est parti. Sandwich, jambon, fromage. Hein. Moi, j'ai pas le temps. On fait que des sandwichs, jambon, fromage chez nous. Le domestique pour le ménage n'est pas venu aujourd'hui, c'est épouvantable. Du coup, la maison est dans un état vraiment dégueulasse. Notre chien qui voudrait se promener, mais malheureusement, je ne peux pas. Ok. On pourrait faire une sortie en famille. Hein. Tout le monde sort en famille. Tout le monde est là pour passer du bon temps en famille. Hein. Mais non, malheureusement, on n'a pas le temps. Mais je vais lui donner une grosse friandise. Hein. Voilà. On peut peut-être s'arranger. Alors là, il a bientôt atteint une compétence, hein. Je ne sais pas c'est laquelle. Ah, oh, mais tous les chiens veulent sortir. Épouvantable, tous les animaux veulent sortir, aller faire une promenade, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, j'aimerais, mais je ne peux pas. Bah écoutez, il n'y a toujours pas de reproduction, ça n'a l'air de toujours pas marcher. C'est un peu embêtant. Soin pour animaux, amical, encourager à s'accoupler avec Lee. Ah, c'est eux à chaque fois qu'ils dégueulassent tout. Oh, les salopards. Enfin, lui s'est endormi carrément. Lui il a pas de respect. Tac. Relâcher. Oh, et il y a le chat qui mange la nourriture par terre. C'est pas bien. On va y arriver les amis. Ne vous inquiétez pas. On va y arriver. On va s'occuper de tout le monde. Vous allez voir, ça va être cool. Oh, c'est tellement mignon. Et après il part en courant. Oh, c'est tellement mignon. Pourquoi tu t'en vas là-bas pour le relâcher? Lee a faim. Willy. Où est Lee? Lee? Peut-être à l'étage? Non, où est Lee? Et tant qu'il kiffe cette histoire. Attendez, ah bah elle est là. Ah bah évidemment, on se demande bien où elle est. C'est pas bien. Et puis on va lui donner une petite friandise. Ah, amical, donner une friandise? Mais si. Je sais pas pourquoi elle se nourrit pas. Je vais lancer une session de nettoyage et il est temps pour elle de manger son repas. C'est chaud, les amis. Vous avez remarqué? Gérer tout ça, c'est très compliqué de le faire tout seul. Notre pauvre Sims, elle est fatiguée et pourtant. Bon, nos gamins, ils se nourrissent tout seuls. Ils mangent des pop-corns, c'est génial. On a habitué nos gamins à piquer des pop-corns et à manger des pop-corns en totale autonomie. Donc écoutez, ça fonctionne, c'est vraiment nickel. Ça se passe vraiment bien. Notre chien est vieux. Oh, pas totalement, ça va. Le robot, ça l'enjaille. Oui, bah écoute, autant pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est sa fatigue. Eh bah écoutez, il a juste à aller se coucher et lui, il est déjà en train de dormir. Tout est nickel. Les animaux sont ok, nous aussi on va dormir, de toute manière on travaille demain.
Ouais, on retravaille encore. On n'a pas le choix. Ah, c'est son anniversaire! Oui, j'ai complètement zappé! C'est pas grave. Pas grave. C'est normal! Non, c'est totalement normal. C'est normal. Enfin, je sais pas si c'est normal, mais... Disons que c'est plus probable que ça arrive. Voilà, je t'admire, ex-Marie. Voilà, on a un fantôme qui se balade dans la maison. C'est tout ce qu'il y a de plus normal. Qu'est-ce qu'on fait ? Putain avec Hugo. Oui, tout à fait. Tout à fait normal. Raconter des ragots. Nickel. Donner des paroles d'encouragement et donner un coup de hanche. Par contre, tu m'en veux pas ? Je vais me coucher ! Elle peut faire crac-crac ? Elle peut vraiment faire crac-crac avec le fantôme ? Parfait. Écoutez les amis. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour avec un fantôme ? Écoutez, il n'y a que dans les Sims qu'on peut vivre cette expérience humaine inédite. Incroyable. Faire crac-crac avec un fantôme. C'est vraiment une expérience unique aux Sims, hein. Franchement, c'est vraiment incroyable. Il n'y a que dans les Sims qu'on peut vivre ça. C'est fou. Sa vie en tout cas. Moi je suis très content de voir qu'il fait sa vie de mort. Et qu'il se porte bien. En vrai il se porte bien. Par contre c'est un petit peu chiant qu'il vienne tout le temps. Enfin il vient pas tout le temps, c'est la première fois qu'on le revoit mais bon. Il fait la vaisselle. Oh. Incroyable. Incroyable. J'avais vraiment pas pensé que ce serait possible. Mais si. Toby a faim. Mais tout le monde a sa gamelle, je comprends pas. Et tout le monde a sa gamelle, hein. Ou alors trois gamelles, c'est trop, peut-être. Ah, c'est ça le truc. En fait, on a trois gamelles, du coup, ça pose problème. Alors que si je dis que tu mets une gamelle qui se remplit toutes les heures. Oula, c'est très violent, ça, dites donc. Si je dis qu'on met une gamelle qui se remplit toutes les heures. Oui. Du coup, c'est le bon truc. Qu'est-ce qu'elle fait? Déjà? Elle est déjà partie au travail. Elle n'a pas le temps. Envoie à la garderie. Elle n'a pas le temps. Alors, normalement, les amis, le nettoyeur, enfin, le nettoyeur, la personne qui vient pour le ménage devrait arriver à 10h, soit dans une heure environ, pour nettoyer cette maison qui est dans un état juste catastrophique. Parfait, il est là. Du coup, c'est bien, il n'y a pas de gamin. Il n'y a pas de gamin et il est tout seul pour tout faire. Du coup, il devrait repartir vers midi, à peu près. Voilà, il est tout seul. Ouais, il y a des poubelles partout dans cette... Je crois que j'ai terminé. La table est dégueulasse. Il laisse les poubelles par terre, puis l'autre... Ah ben, je crois que j'ai totalement fini, ya. Qu'est-ce que c'est que ce Sims, les amis? Ah, ça se voit que la propriétaire n'est pas là, hein, puis qui se permet de toupie les chiens aussi, d'ailleurs, qui se permettent absolument toute évadation. Ce mot n'existe pas, je sais. Aucune forme de respect, ces animaux. Absolument aucune forme de respect. Bon, elle termine de travailler à quelle heure? Bon, elle termine de travailler jusqu'à 15h. Et j'ai oublié de lui dire qu'elle travaille très dur, parce qu'il faut vite la promotion. Si on n'a pas la promotion, déjà que financièrement, on ne tient plus debout. Alors, si on n'a pas la promotion, les amis, je vous laisse penser que ça va être vraiment épouvantable. Est-ce qu'il finit la gamelle? Ah ouais, lui, à chaque fois qu'il mange, il finit la gamelle. Heureusement que ça se remplit toutes les heures. Ça y est, elle a fini? Nickel. Alors, qu'est-ce qu'il va faire au niveau des gamins? Ok, il faut jouer. Bon, il va jouer tout seul. Il est grand pour jouer. Ok, alors, lui, il l'a pas fait. Donc, du coup, elle va le faire. Elle va lancer le robot de nettoyage avant. Nickel. Allez, courage! On y croit, t'es très forte. D'ailleurs. Ok, il y a des jouets pour chiens qui traînent absolument partout. Où est la bannette à jouets pour chiens? Plus de bannette. Elle est là. Nettoyer les jouets. Je n'avais pas compris nettoyer les jouets, mais très bien, pourquoi pas. Elle prend une douche. Elle a raison. Ça fait 3 semaines qu'elle s'est lavée, elle a raison de prendre une douche.
Bon, puis après, les amis, il va falloir qu'on s'occupe de l'anniversaire des mômes. Eh oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Kelly a terminé toutes ses vies et part désormais dans un monde... Quoi? Mais c'est pas possible en ce moment! Incarnation de la fauchance! Et notre chatte! Et puis elle est où elle? Elle est là, elle est tranquille. Assister au décès. Oh, c'est tellement triste les amis! Mais malheureusement, c'est bien vrai les amis, nos animaux ne sont pas du tout éternels. Voilà, donc comme ça nos gosses, ils étaient déjà tristes, hein. Bah comme ça ils vont grandir dans un état de tristesse extrême. Ah ça va être génial, hein. Ah les amis, là je peux vous le dire, ça va être génial, hein. Alors là en ce moment, côté ambiance, on est vraiment nickel chrome, hein. Voilà, décès du père, décès du chat. Franchement, ah, puis la faucheuse qui pense à faire la fête. Ah, bah évidemment, pour la faucheuse, hein, c'est un événement positif, hein, perdre un animal. Faire le deuil, voilà, on n'a pas le temps, on fait vite le deuil, comme ça après on n'en parle plus. Voilà, allez, vas-y, pleure un bon coup. Oui, je sais, les amis, c'est extrêmement triste et je suis d'une extrême violence, je le sais. Mais voilà, ah, les amis, il faut qu'on s'en sorte un petit peu, faut qu'on évolue, hein. Donc, déjà, les mômes, c'est bientôt le temps de faire leur anniversaire, donc on va vite passer à autre chose, voilà. Fais ton deuil. Voilà. Écoutez, tous les mômes partent se coucher, c'est vrai que pour leur jour d'anniversaire, il y a quand même possibilité de faire une meilleure fête. Non, on ne va pas manger à McDo, ça suffit à la fin. C'est bon, are you finish? Libérer l'esprit pour qu'il rejoigne l'au-delà. C'est quoi? Libérer l'esprit. Oups. Libérer l'esprit dans le monde des ténèbres et délivrera pour toujours son esprit dans le royaume des mortels. Alors, libérer l'esprit de Kelly dans le monde des ténèbres délivrera pour toujours son esprit dans le moyen... Bah oui. Oh, pas. Détruire. Ah non. Justement. Ah oui, donc notre chat ne reviendra plus. D'accord, bah écoutez, ça nous fait une nouvelle déco dans le jardin, on est très contents. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, parfait. On trouve une utilité à tout. Je suis épouvantable, hein, mon dieu. On était parti faire l'anniversaire des gosses, c'est vrai, j'ai complètement zappé. On va leur faire un gâteau. Engager un traiteur. Non. Cuisiner. Donc, faire un gâteau. Gâteau au chocolat pour le premier. Cuisinier. Faire un gâteau au chocolat pour le deuxième. Voilà. Deux gâteaux au chocolat à faire, ça va être génial. Ah, mais la main à la pâte pour nos mômes! Oui, oui, après. Quand on aura le temps. En vrai, quand on aura les gosses qui seront grands, ça sera génial. On pourra tout faire. Bon. Alors, je pose le gâteau. Un, ici. J'ai fini la cuisson. Hop, après on va le poser sur la table. Parfait. Deuxième gâteau. Alors maintenant, ajouter des bougies d'anniversaire. Ajouter des bougies d'anniversaire. Et là du coup maintenant, souffler les bougies. Ah non non, pas elle, hein. Ouh. Célébrer. Youpi. Pourquoi les mômes ne peuvent pas le faire eux-mêmes? Aider pour les bougies. Ah, parce qu'on peut pas. On peut pas. Si on fait souffler, c'est elle qui souffle. D'accord, donc j'ai préparé tout ça pour rien. C'est génial. J'adore ma vie. Théo a très faim. J'ai essayé d'urgence. Oui. Il a mangé à Théo. Des chips. Mais non, c'est bon, il s'est servi. Non, mais arrêtez! J'en peux plus. Cette
pote, les amis, qui vient me voir tous les deux secondes pour dire « Ah, tu sais quoi, il y a une fête !» Ah, puis cette menace, là, toutes les deux minutes, de « Vous nourrissez pas votre gosse, vous allez voir, il va vous être retiré », ça commence à être un peu lourd, hein. Electronic Arts, vous faites vraiment des blagues pas marrantes et c'est assez lourd au bout d'un moment. Et au niveau des croquettes, on a... Enfin, l'enfance, au programme une créativité sans limite, les premiers interdits en frein et les crises de colère que les jeux commencent, faculté sociale, faculté mentale, faculté motrice, créativité. Je sais pas. J'ai envie de faire deux garçons, je sais pas moi, en mode je suis vraiment beau gosse, j'ai beaucoup d'argent. Et puis un autre, je suis un peu ultra artistique. Donc faculté sociale, ce sera celui qui sera bien IP. Je fais, on peut pas. Ah ok, ah non, faut choisir. Oh, faculté. Voilà, le petit génie. Nickel. Ah, puis après on choisit son trait de caractère. Un geek. Ok. Très bien. Donc lui c'est Théo, à la coupe de cheveux. Ok. Et ça c'est François. François, ce sera le côté créatif. Voilà, il sera créatif. Et sûr de lui. Voilà, il a déjà les lunettes. Incroyable. François a déjà les lunettes. Par définition, on a dit tu seras le môme à lunettes. Génial. Bon, écoutez, on va effacer ça et on fera pas les travaux d'Eli aujourd'hui. Ça fera un petit peu trop long pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vais mettre juste ça pour le moment, parce que bon, on n'a pas trop le time. Voilà. Où chacun a son petit... Oups. Chacun son petit lit. Tu vas pas. Oui, c'est l'heure de dormir, de toute manière. C'est de rechigner, c'est l'heure de dormir. Voilà. Parfait. Tout le monde a ce qu'il veut. Voilà, tout le monde est parti. La mère qui a fait des cadeaux d'anniversaire, qui n'a même pas pu assister à l'anniversaire de ses enfants. Quelque chose d'étrange actuellement sous son lit. Mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Oh, on va mettre du spray anti-monstre, hein, et puis voilà, c'est bon. Tout le temps en train de se plaindre, ces mômes. C'est vrai qu'il y a quelque chose, hein. C'est inquiétant. Personnellement, je trouve ça très inquiétant. Et bah, c'est pas grave, vous dormirez dans le canapé. Parce que ça, c'est le lit de maman, d'accord ? Hein ? Ah oui, d'accord, elle a envie d'aller aux toilettes, c'est pour ça qu'elle s'est élevée. Okay. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Ah bah évidemment, il prend une douche. Saleté le môme ! Tu vas te faire pranker ! Tu vas te faire pranker ! Tu t'es fait pranker ! Et ben voilà. Bravo. Oh, bravo. La voilà, Capi, c'est par terre. L'arroseur arrosé sans jeu de mots. Alors, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il a, ce chien? Du coup, on peut peut-être lui demander... Il va pas. Du coup, maintenant, ça va être un peu mieux, en fait. Il y a les différents gosses. Ah, pourquoi il est triste? Eh ben, c'est pas grave, on va jouer. Proposer son amitié. Et... Réconforté. Alors lui du coup c'est lui qu'on a dit qu'il était hyper intelligent. C'est où le trait de caractère? C'est là. Voilà, c'est lui qu'on a dit qu'il était super intelligent. Ok, lui c'est le petit génie. Ah bah du coup non, c'est lui qui aura les lunettes. C'est François. Non, c'est Théo qui aura les lunettes. Et François n'aura pas de lunettes. Ce sera le beau gosse, etc. Bien ça. Ah non, lui ce sera l'artiste. Ok. C'est lui qui sera artiste. Qu'est-ce qu'il fait? Monstre. Parler au monstre sous le lit. Lui hurle un peu dessus, hein.
Un peu d'autorité! On dirait que le monstre n'a pas envie de devenir son ami pour le moment. Vous m'embêtez. Oui, mais c'est déjà fait, je crois. Quel enfer. Ah non! Ok. Quel enfer. Bon, écoutez les amis, on va relooker nos Sims. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Hop là. C'est parti. Donc lui, on a dit que c'était le petit génie, donc lunettes et tout ce qui vaut avec. Ok. Le Théo, les lunettes. Théo égale lunettes, hein, c'est pertinemment. D'ailleurs, un énorme coucou à tous les... Viens de pulvériser une des touches de mon clavier. Bien sûr, coucou à tous les Théo du chat. Enfin, du chat... la vidéo. Alors, on a dit, les amis, que c'était le môme à lunettes. Pas trop mal. Le môme à lunettes. Il a la tête du môme à lunettes. Non, pas de maquillage. Il a la tête du môme à lunettes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en tenue? Donc on n'oublie pas les amis petit génie, il faut qu'il ait une tenue de petit génie. Non, peut-être pas. Non. Ça c'est bien ça. En mode plombier. Non, allez, sérieusement, on avait dit tenue de petit génie. Pour tenue de petit génie, moi je pense à un truc dans ce genre là. Non, pas forcément, mais plutôt, voilà, une petite chemise. Mais je pensais surtout à un pull. Voilà, un pull, ah ouais, complètement ça. Ah ouais, ça c'est génial. Et avec, bien sûr, un pantalon. Bah, un pantalon long. Mal. Un petit jean normal, blanc. Le blanc. Et puis on mettra les chaussures rouges. Non, je rigole. Des chaussures. Des chaussures plutôt bien. Ah. Pas trop mal, ok. Rouge. Non, plutôt des chaussures blanches. Plutôt des chaussures blanches. Et on avait dit qu'on mettrait des chaussettes à notre Sims. Chaussettes de même couleur. Blanche. Voilà. Les petites chaussettes blanches associées à notre génie favori. Parfait. Pas de montre. Pas de bracelet. Non. Et puis, ah oui, après il y a les looks. Non. Ah, quoique, le professeur. Ah, j'aime bien ce look-là. Mais ce look-là est génial, les amis. C'est carrément ça que j'avais en tête. Parfait. Les mêmes lunettes et tout. Nickel. Même coupe de cheveux. C'est parfait. Alors ensuite, l'autre, maintenant. Oui, il a tout gardé. Alors, faut qu'on fasse aussi les autres tenues. C'est vrai, j'avais oublié. Alors, tenue habillée, c'est plutôt bien, ce qui ne va pas, c'est les chaussures, on met des chaussures bleues. Tenue de sport, oui, complètement, hein. Ça c'est totalement une tenue de sport. Parfait, un petit footballeur. Pyjama. On va le mettre dans un truc comme ça. Pas trop mal. Oula, les lunettes, ça va pas, par contre, c'est excessif. Hein. Les boucles d'oreilles, carrément des boucles d'oreilles, hein. Ouais. Non, mais en tenue de soirée, mais c'est lunettes habituelles, c'est lesquelles? C'est celle-là? Ah non, on avait dit qu'il mettait des lunettes rondes. Ok, Harry Potter. C'est vraiment Harry Potter. Maillot de bain, c'est nickel. Parfait. Donc, deuxième frère. Alors lui, on a dit que c'était le... Les amis, le... Est-ce que vous avez suivi la leçon? C'est le créatif! C'est le créatif! Donc le créatif, c'est un peu l'extravagant. En mode... I am a bimbo. Je suis une bimbo. Non, peut-être pas. I am a very good bimbo. Non, sérieusement. Ah. Encore à moi. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Il est créatif, les amis. N'oubliez pas, il est créatif. Donc c'est quelqu'un qui... On va lui mettre cette coupe de cheveux là. Ok. Et je voudrais lui mettre un chapeau dans la vie de tous les jours. En mode... Hey, je suis vraiment beau gosse.
Pas très créatif, hein. Ça c'était pas mal. Oh, le petit bonnet. Ouais, le petit bonnet. Non, pas bonnet bleu. Ouais, lui il sera en blanc et noir. J'ai envie qu'il soit blanc et noir. Il avait des lunettes à la base. Je sais plus s'il avait. On peut mettre des colliers et tout. C'est le créatif, hein. Le créatif il est comme ça. Les créatifs, on les reconnaît de loin, les créatifs. Lui par contre, il aura des lunettes comme ça, fluorescentes. Non, il aura des lunettes rouges. C'est créatif. Ok, parfait. Voilà, puis ça c'est les tenues quotidiennes, puis les autres tenues ce sera comme ça. Ok, parfait. Alors, le créatif, bien évidemment, a toujours des tenues un petit peu décalées. Soit par exemple cette tenue. J'aime bien. Attendez. Non. En fait, non. Pas possible. Ah, il m'a perdu. C'est bon, il m'a tout retrouvé. Non, bah écoutez, c'est pas grave, je vais le faire à la main. Le créatif, donc. Le créatif, comment est-ce qu'on pourrait caractériser un créatif? Eh bien, quelqu'un qui est en débardeur. Non, peut-être pas. Ce genre de style. Non, peut-être pas. Comment est-ce qu'on pourrait caractériser quelqu'un de créatif? Ah, j'aime bien. Un petit truc comme ça. J'aime bien. J'aime beaucoup. Parfait, avec un petit short. Pas créatif, les amis. Hein. Créatif, un peu sur une autre planète. Non, bah écoutez, ce short-là m'a l'air plutôt pas mal. Ah, on est dans ce côté un petit peu jaune. J'aime plutôt bien. Et bien sûr, au niveau des pieds, c'est les tongs. Les tongs sont indispensables pour les créatifs. Ça leur... Le fait d'avoir tout simplement des ouvertures au niveau des pieds, bah, ça leur permet de réfléchir beaucoup plus rapidement, en fait. Et c'est très important. C'est très important, les amis, pour un créatif, de réfléchir très rapidement, parce que vous comprenez bien que sinon, il va perdre son autonomie et son efficacité. Bah là, écoutez, c'est pas très compliqué. Un créatif se voit d'être habillé en rouge. Oh là là! C'est quoi, c'est incroyable! Tenue de foot... Parfait. Le pige, comme son frère. Le même. Ah bah, écoutez, alors... Oh là là, mais quel beau gosse! Incroyable. Incroyable. Et puis le pige, on touche... le maillot de bain. Ça, je crois que c'est le même que son frère, en plus. Ah, quasiment, ils ont juste changé de couleur. Eh bah, écoutez, les amis, les deux mômes sont parfaits. c'est du grand n'importe quoi. Mais au moins, comme ça, ils répondent à un certain design et totalement, surtout, à leur trait de caractère. Parfait. J'adore. J'adore. Je trouve ça cool. Eh bien, écoutez, les amis, on va se quitter là pour aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir regardé. Que fait-elle? Elle dort dans le canapé, mais c'est pas nécessaire. Il est quelle heure? Il est... Oui, c'est bien ce qui me semblait. Il est 5h du matin et... Ouais. Il y a travail dans... Oh, dans 2 jours. Bon, bah, tout va bien, alors. Bon, écoutez, je lui conseille d'aller se coucher. Eh bien, écoutez, les amis, merci d'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à laisser un j'aime, de mettre un commentaire si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, à vous abonner, les amis, en cliquant sur le logo de la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, pour suivre la suite des aventures avec Benji, d'activer, bien évidemment, les amis, la petite cloche. Le créatif qui est ici. Les amis, d'activer bien évidemment la petite cloche pour être notifié dès la sortie d'une vidéo, etc. et pour être sûr de ne rien rater. Et les amis, on se retrouve donc extrêmement rapidement pour un de vos épisodes favoris. Mon petit, mets la main à la pâte, à la prochaine et ciao, bye bye.